Bonjour, interlocutrice, interlocuteur, ici Gelden pour les Jeux du Cygne. Nous retrouvons la tribu des seringues et nous disons petit coucou à Lycium et à Canton. Ils sont Canton toujours aussi fidèles. Ouais, dernier live triste, bah c'est juste que je pars en vacances demain matin et que je reviens le 2 janvier, donc il n'y aura pas de stream entre temps. Voilà, c'est tout. Alors, je sais plus du tout. Eh bien, tiens, Lycium, mon super commerçant, mais là qui est un peu amoché. Deuxième super commerçant, c'est Rossignol. Je sais plus si j'ai déjà fait du commerce avec eux. Ah, je crois que si. T'es pas mort, non, mais attends, moi je garde tout le monde en vie, qu'est-ce que tu crois? Presque tout le monde. J'ai eu que deux morts, franchement. Bon, on va dire que j'avais commercé avec eux. Non, non, j'ai eu que deux morts. Ouh! Un petit raid. Ouf, Xebus avec 33 gens. Salut Xebus, salut Morphès. Salut Clipchitzinien. Bienvenue sur le live. Bah ça va bien et vous? Je viens de lancer. Salut le Myop. Bienvenue sur le live. Également. Vous étiez avec Xebus? Xebus, tu t'es sur quoi, Xebus? Ah oui, j'étais en galère de... J'avais besoin d'acier. T'étais sur Dwarf, on faisait... Oula, t'as un petit problème de QWERTY, toi. Oula. Bon, Morphès, si tu comprends Dwarf Fortress, à mon avis, tu dois pouvoir comprendre Rimworld. Hein. C'est comme un peu le Dwarf Fortress, c'est le grand-père de Rimworld. Sans QWERTY. Alors, oh, tiens, attends, j'ai du métal là. Ouh, j'ai du métal. J'ai besoin d'acier. Ouh, poup, poup, poup. Hop, va miner ça. Ok, ça roule. Bisous des bus. Merci pour le raid en tout cas. Voilà, on termine notre carrelage stérile là. Bah, tu le regardes pas, mais en tout cas, t'es sur ses lives. Bon, un peu plus d'acier, c'est mieux. 12 luciferium. Les drogués. Les banquiers, c'est des rabat-joie, faut jamais les écouter. Ah, le truc, c'est que comprendre une partie quand elle est déjà quand même relativement avancée, puis ça fait 190 jours qu'elle est commencée, donc c'est comme on est sur du mid game, on va dire. Donc, bah écoute, j'espère que tu comprendras. Mais il peut poser des questions. Hein, si... Mais bon, c'est dangereux parce que quand on se met à s'intéresser à Rimworld, c'est difficile de lâcher. Là, c'est relativement calme. Voilà. Tom est totalement guéri. C'est très bien. Mais ouais, n'hésitez pas à poser des questions hein, si vous en avez. De toute façon, c'est du jeu de survie et survie, développement, gestion.
On est là pour récupérer, il faut récupérer de la bouffe, agrandir la base, l'améliorer, la développer, tout ça. Voilà. Tiens, je pourrais faire du carrelage en calcaire pour améliorer. Hop. Pour améliorer ces zones-là. Tac. Tac. Bon. Je vais faire là, et puis dans un deuxième temps, on fera les autres. Oui, j'avais toujours ça, j'ai toujours pas. De toute façon, j'ai plus. Wow, pop, pop, pop. J'ai plus du tout de. Sucer ses ennemis vivants et les morts servent de nourriture aux cochons. C'est tellement ça. Ce qui Alors, xénogénétique. J'ai jamais exploré encore ce domaine-là. Créer des xénogermes qui peuvent être implantés chez une personne pour les modifier génétiquement. Extraire des packs de gènes de personnes vivantes avec d'un extracteur de gènes afin de pouvoir réimplanter les gènes chez quelqu'un d'autre. C'est magnifique. Et je voulais faire également. Ça fait quoi construire des processeurs de gènes qui permettent à un assembleur de gènes de créer des xénogènes de complexité génétique plus élevée, d'accord. Et archogénétique ensuite. Alors, est-ce que les DLC valent le coup? Clairement, le dernier qui vient de sortir vaut le coup. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Et beaucoup de choses qui permettent de jouer de façon très diverse. Les deux premiers, c'est moins évident l'intérêt qu'on peut y trouver. Ils sont bien sans être exceptionnels. Là, typiquement, j'ai fait une partie avec seulement, c'est une partie que j'ai lancée quand j'ai eu le DLC Biotech. Donc j'avais pas du tout lancé. Enfin, j'avais fait en sorte de ne pas mettre les autres DLC, histoire de me concentrer vraiment sur ce qu'il y avait dans Biotech. Idéologie, effectivement, ça te force en quelque sorte à varier les gameplays, c'est-à-dire que tu vas te donner des bonus sur certaines choses et des malus sur d'autres. Et donc du coup bah, tu vas être un peu obligé d'aller vers tes zones de vers tes points forts et de minimiser tes points faibles. Et royalty, bah, ouais, je suis effectivement plus bon, y a des trucs sympas, mais bon, c'est moins ouf, quoi. Bon, j'ai de nouveau de l'acier. Un colon a besoin de soins, Sir Madness. T'as quoi, Sir Madness? T'as toujours tes paradigmes musculaires. Gras. Hop, carrelage. Allez, on va compléter ça. Quand j'en aurai besoin. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin, donc on ne va pas se faire du boulot pour rien. Ardoise. Hop, je vais venir chercher des blocs d'ardoise ici. Du granit, est-ce que je peux en récupérer? Non, c'est du marbre. Non, je suis à 58. Globalement, je vais leur faire chercher des blocs. Bon, je me mets un peu plus proche, c'est pas grave. Est-ce qu'ils vont faire transport des déchets toxiques? Pourquoi est-ce qu'ils transportent des déchets toxiques? Toi, tu fais quoi? T'as que ça à foutre? Ouais, pas bien compris, mais c'est pas grave. Oui. J'ai pas bien compris ce qu'ils sont venus faire. Catox, c'est aussi tes paramètres musculaires.
Je sais pas si on peut soigner quand on est dans le cercueil. Donc typiquement, biologie, ça t'apporte des races. Bah, tiens, par exemple, est-ce que je peux construire extracteur de gènes, pompe à pollution, ça j'en ai pas besoin. Banque de gènes, stocker des packs de gènes et les rendre utilisables. Ok. Et comme bibliothèque de gènes. Et assembleur de gènes, établi pour créer des germes implantables à partir de packs de gènes stockés dans les banques de lumière. Les packs de gènes ne sont pas consommés. Ah, d'accord. Donc si tu as un pack de gènes, tu peux t'en servir autant de fois que tu veux. Banque de gènes et extracteur, ces machines chirurgicales. D'accord. Vous pouvez forcer quelqu'un à entrer dans la machine, mais il n'aimera pas ça. C'est sympathique. Alors, où est-ce que je vais faire mon laboratoire de génétique? Je pourrais peut-être le diminuer un peu, j'en ai pas besoin, quoique. Je vais demander à aller chercher pas mal de faire une autre pièce avec des blocs de calcaire. Structure. Toc, toc, toc. Hop. Pas obligé de la faire aussi grande. Ça va faire du 8 par 8. Hop. Portant calcaire. Ouais, c'est largement suffisamment assez grand, je pense, pour faire un laboratoire de génétique. Hop. Ouais, mais alors, éternel problème de la place, quoi. Ma clinique, elle est un peu, elle est trop enclavée, en fait. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais pas rechercher le diable d'eau, moi. Non, toujours pas, d'accord. Oui, mais j'avais dit diable d'eau, c'est chiant, il faudrait que je fasse. Le diable d'eau, est-ce que ça. La place des chambres sud. Ouais. C'est pas faux. Ça peut être une solution. Dans ce cas-là, il faut que j'arrête tout de suite ici. Ouais, ce sera une solution. Bon, allez. Il me faut un autre bloc de. Alors, je pourrais diminuer un peu la taille de la chambre de notre couple, puisque maintenant, je sais pas si Canton va être d'accord. Là, on pourrait imaginer que je mette une deuxième chambre. Ouais, je sais que c'est un très bon tissu. Non, ce que je me demandais, est-ce que ça pousse dans les bassins hydroponiques? Je ne sais pas, je vais aller jeter un œil sur Google. Que me dit Google? Rimworld Wiki. Comment ça s'appelle? En anglais, c'est Devil Strand. Toc. Non, c'est Devil Strand Mushroom que je veux. Est-ce que ça pousse? Est-ce que ça pousse dans les hydroponiques? Non, ça ne pousse pas dans les hydroponiques. Donc ça veut dire qu'il faut faire il faudrait que je me fasse une zone abritée, enfin avec du chauffage et tout, pour ça. Pour en faire la culture. Ouais. Alors, est-ce que je mettrais, ou sinon je peux mettre des chambres ici, je peux mettre des chambres là. Hop. Je manque globalement, bon. Allez, je vais suivre tes conseils, mon petit caneton. Vraiment. Je vais suivre tes conseils. Donc du coup, je vais annuler tout ce que j'ai là. Hop. Désolé pour le déplacement qui sert à rien. Là, je dois pouvoir faire deux chambres, je pense. Neuf.
Il me faut 4 plus 3 murs, il me faut 11. Ça passe. Ça passe comme ça. Chez McDonald's. Hop, je vais faire un cran. Plus haut. Bon, je peux même le. Ah non, il faut que je fasse gaffe. Je peux pas le coller là. À cause du climatiseur. Si, alors, ce que je peux faire. Ouais, ce serait moche. Non, je vais être obligé de faire comme ça. C'est un peu de la perte de matériaux, mais. Structure. Hop, on va faire avancer doucement. C'est moche, j'aime pas comme ça. Comment est-ce que je pourrais faire pour que ce soit bien? Mes générateurs, je suis normalement très au-dessus. Je manque toujours de place. C'est vraiment la première base où je manque autant de place. J'aurais jamais dû l'installer entre ces deux zones de flotte. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Là, je crois que c'est pas super. Si là, c'est constructible. Sinon, je peux faire là des pioles. Ah, ouais, ce serait une idée, ça. Ok. Changement de plan. Hop. Vous allez me miner. Hop. Hop. Là, on mettra un petit pont. Je vais faire là, mais. Je vais me faire trois chambres ici. Là, je pourrais faire une chambre peut-être. Toc, toc, toc. Il faut pas que je change de matériau. Ce serait moche de faire autre chose que l'ardoise là. Faut d'abord que je fasse des blocs d'ardoise. Hop. Toi, tu peux couper. Du coup, j'aurais besoin de pont ici. Pour qu'il puisse passer. Parce que là, ça va être les. Hop. Il faudra que je vire mon cimetière aussi. Que je le mette ailleurs. Je pourrais peut-être aussi me faire un four crématoire. Histoire de me débarrasser. Des contrevenants. Ok. Alors Henriette est sortie. Du coup, ouais, il n'y a personne qui allait la soigner. Je pense que ça ne va pas être possible. Kenton, si je te demande de. Ouais, on ne peut pas soigner. Ne peut pas achever Katox. Et si j'appuie sur Shift, je pourrais là. Ah oui. Là, je peux la terminer. C'est moche. On avait dit Canton, tac. Il ne peut pas soigner Katox. N'a pas besoin d'être soigné. Et au moins la diminuer. Hop. Merci pour le follow. J'arrive pas à lire ton nom. Klipschitzien. Ça ressemble à un nom d'origine germanique, si je ne me trompe pas. Mais là, je vais être obligé de faire du bois, par contre.
Ce serait K l'Ipsichème. D'accord. Alors dans ce cas-là, c'est mathématiques, si je ne me trompe pas non plus. Gagné. Je suis un peu prof de maths en fait. J'ai pas beaucoup de mérite. Tiens, je pourrais du coup faire une porte par ici. Hop. Donc si tu connais pas la chaîne Calypso Chain, du coup, mais c'est vrai que j'avais pas fait le lien. Il n'y a pas que moi qui stream, puisque donc on est sur une chaîne communautaire, globalement on est deux à streamer. Aujourd'hui, il y a le Cygne Noir, donc, qui est notre grand gourou à nous. Et puis il y a moi. Voilà, donc tu pourras voir différents types de jeux du coup. On est une chaîne communautaire, donc on fait pas mal de trucs différents. Et une petite infestation. Oh, quelle bonne idée! Oh putain! Ah, quelle bonne idée! Et pourquoi il y a toute la pollution qui s'est répandue là? Il fait plus assez froid là-dedans? 21 degrés. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Oh putain, mais quel con. Ok, bon. Et puis, bah. Go, hein. Go tout le monde. Il va falloir défendre, si on peut dire, notre zone de pollution. Notre frigo qui fonctionne pas. Oh, ça va être la merde. Oh, dans le genre, je pouvais pas faire pire, c'est pas mal. Tac. Ah bon, l'avantage c'est que c'est pas très très grave non plus, mais. Hop. Alors. Bah, de toute façon, ils vont ouvrir tôt ou tard. Pour l'instant, ils ne s'attaquent pas à la porte. Alors, on va essayer de se la jouer. Nous. Ça va être pourri. Ça va être pourri. Je vais péter ce mur, péter ce mur, péter ce mur. Je vais ouvrir là. Et c'est tout. Alors, mes constructeurs les plus rapides. Constructeur. Tom, DB Games, Canton. Tom, tac. Canton, tac. DB Games, tac. Mon mineur le plus rapide, Madness, t'es à la bourre. Canton, Henriette. Hop. Mine-moi ça. Tu vas me faire ça aussi d'entier. Non, reste là, les gens. Hop. Non, tu veux pas manger tout de suite. Hop. 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 Tu bouges. John, une précision.
Henriette, tu restes là. Spikey, tu recules un cran. Hop. Hop. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque Madness. Il déplace carrément les mains et c'est son paradis musculaire à tous les coups. Allez, on ouvre. Hop, c'est parti, mon kiki. Et il s'attaque forcément à ça. Hop. Les plus blindés. Ah merde, il y a ça. Tiens-moi ça. Hop. La tunnée, c'est quoi gravé en ardoise? Stockage urgent, critique. Ardoise. Gravé en ardoise, paf. Aussi, tu le... Hop. Tac, très bien, tu l'as sur toi. Onyxtro, tu vas là. Non, me pète pas mon... Oh, putain. Me pète pas mon ventilo. Même si j'ai très mal réglé. Voilà. Bon, bah, c'est déjà fini. Oh, bah, c'était tranquille alors. Je pensais que ce serait bien pire que ça. Bon, et ben voilà. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Vous allez terminer tout ça. Madness, tu entres à la maison. Canton aussi. Onyxtro aussi. Henriette aussi. Ok, problème réglé. Vous finish off tout ce qu'il y a là. Et si vous finish off, c'est là. Terminez-moi tout ça. Ça, on autorise tout. Toi, t'es bon. Non, t'es nul en construction. Tom. Ouf, t'as pris cher un peu, Tom. Accumulation toxique. Bah ouais, tu m'étonnes. Ok. Bien, ensuite il va falloir reconstruire ça. Il va falloir me dégager celui-ci de toute urgence. Hop. Voilà, ça tu peux annuler. Il y en a un pain qui pourrait me faire un peu de réparation là tant qu'il y est. Histoire de ne pas faire un deuxième trajet. Hop. Hop. Voilà, tu me répares ça aussi. Ok, là c'est refermé. Ou Madness, il était déjà pas en forme. Non, mais en fait c'est un peu con quand même. Vous pourriez peut-être me transporter tous à l'urgence. Qu'est-ce que vous en diriez? Plutôt de vous barrer là comme des sacs. Hop. Damnette qui apporte une petite poche de sang. C'est bien. C'est bien mon garçon. Hop. Allez. Et on réaccélère. La force tout là. Ah ouais. Par contre, tu pourrais peut-être...
Ok. La commande en dessous, bah oui, ça c'était quasiment certain. Qu'est-ce qui va vite? Tac, tac, tac. Mouvement. Always. N'était pas vraiment à côté. Katox va nous sauver sur Madness. Attends, toi tu vas là, pas très très vite. Spikey. Tu boufferas après. Ça, transport urgent. Et ça aussi. Intéressant la petite touffe d'herbe là en plein milieu. Ok. Écureuil s'est laissé apprivoiser. Bah ça. Ouais, Madness, il est encore un peu cassé. Il prend un peu cher, le pauvre. Et ben on va continuer sur la génétique du coup. La télé, j'en ai pas vraiment besoin. Si alors, attends, je vais me faire un peu de diable d'eau, je vais me faire une petite zone abritée. Bon, est-ce que là c'est la bonne température? Là il fait 12 degrés. Comment ça se fait? Est-ce que c'est considéré comme à l'extérieur? Non, intérieur. Il n'arrive pas à tout refroidir en fait. Bon. Eh non, je sais. Si, là, c'est bon, c'est l'extérieur. Bah, pourquoi? Parce que ça m'avait apporté des trucs un peu sympas. On peut, mais pour ça, l'idéal, c'est quand même d'avoir des navettes. Pas des navettes, comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Comment ça s'appelle? Capsule de transport. Ça, il faudrait que j'ai le raffinage. Donc là, du coup, c'est à l'extérieur, ça. Ouais, je l'ai laissé à l'extérieur. Ce qui est une bonne chose. Mais en fait, il m'en faut une autre. Voire deux autres. Je vais quand même m'assurer que... Donc... Il peut y avoir la vieille ruse de faire ça. M'assurer que il va pas m'emmerder à vouloir impérativement détruire tiens. Je vais faire ça comme ça. Mais non, mais il y a une mauvaise gestion de ma part hein, de toute façon sur le coup du cougar dans un enclos. Est-ce qu'on pourrait pas la gérer la cougar là? John bof. Attends, oui, l'écureuil, on a dit qu'on n'avait rien à secouer. Hein. D'accord. Tac. Allez, on va être gentil. On va le libérer. Hein, parce que. Franchement. Ah, ça y est, j'ai ma litière de paille. Très bien. L'écureuil est retourné à la vie sauvage. Très bien. Donc du coup, je peux le réinclure dans... Ah bah, je croyais que je l'avais enlevé. Bon, moi je l'avais pas enlevé.
Ouais. J'ai franchement vu mes réserves de bouffe. J'ai pas vraiment besoin de. Alors j'ai presque fini ici. Il faut la porte encore. Oh putain, con. Quelle température dehors 19. Il me faudrait du courant électrique ici. Il faudrait que je planisse tout ça aussi. Hop. Histoire d'en faire des zones un peu sympas. Infection, madness. Oh là 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 là. Quel drame. Cette des parasites musculaires. Hanneton, t'es toujours mon meilleur souvenir après Katox. Ouais. Allez, Hanneton, on va sauver le copain. Alors, Damned, il a fait son trou. Putain, mais. Eh, mais c'est. Quand il n'est pas dans le frigo, il est dans la zone la plus polluée du monde, quoi. Allez, au frigo, ça t'apprendra. C'est désolant, quoi. Et là, il faudrait vite qu'il me fasse. Construction. Des games Canton. Hop. Allez, au taf. Tom, j'aimerais bien que mon éternel. Quand t'auras fini de pioncer. Non. Allez, hop. On termine cette porte. Vous me rappellerez si j'oublie de régler la température des climatiseurs. Bon, Spikey, Rossignol. Vous allez me gérer cette cougar, j'aime pas trop qu'elle se balade là. Chobiti, non. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Scorch, si, voilà. Et une X-Tron, très bien. Hop. Allez. Allez. Tac, tac, tac. Tac, tac. Non, tout pas toi au signal. Hop. Vous allez me gérer la cougar. Hop. Hop. Non, vous voulez pas? Mais quelle bonne idée. Quelle bonne idée de ma part de faire ça précisément quand Rossignol approche. Mais quel boulet. Mais quel boulet, je vous jure. Bien, cette porte c'est fait. Donc je vais pouvoir coucher un là. Il y a déjà ça. Tiens, Tom et Rossignol. Tac. Oh, bah, elle est très bien placée, ma porte. Bravo. Bravo, bravo. Non, mais vraiment, c'est parfait. Change rien, Coco. T'as tout compris. Putain, mais quel con. Oh my god.
Hop. Ou Katox, on sent qu'elle a du mal. Hein. On voit pas trop qu'elle a un gros bidon, mais infestation des déchets, bah tu m'étonnes. Oh putain. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un groupe de cocons de stase d'insectes enfouis à capter l'odeur de déchets toxiques récemment dissous. Ils creusent des tunnels vers le haut pour se rapprocher des produits chimiques. Les cocons émergeront dans un état dormant. Ils resteront en sommeil indéfiniment. Sauf si quelqu'un les approche ou les dérange. Ils s'ouvriront alors et libéreront des insectes enragés. Formidable. Eh ben, on est reparti. Bon, c'est bon, Damnette, tu t'es refroidi un peu là? Hop, allez. T'as le droit d'aller manger maintenant. Non, on peut pas les incinérer, sinon ce serait trop simple. Bon, allez, Onyxtro. Alors, vous êtes déjà en approche. Funky, Storch, Shadow, DB Games est déjà en approche. Tac, tac. Tac. Allez. Oh putain, l'ambroisie qui reste dans le coin là. Les cocons ont été rangés et sont en oeil, tu m'étonnes. Ils s'ouvrent un peu trop tôt. Oh putain, c'est pas possible. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Recule. Tac, 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 John, tac, Shadow, tac, Éternel, tac, Onyxtro, tac. Foutez-lui la paix. Allez, rentre au bercail. Là, c'est fini. Tu rentres au bercail aussi. Tac. Je savais bien qu'il fallait pas les accepter, ces déchets. Allez, achève-moi ça, finish off. Hop, construisez-moi ça en vitesse. Spikey, tu rentres. Onyxtro, tac. Après, tu. Hop, allez, on peut rentrer. Henriette aussi. John aussi. Ah, et chi. Un peu relou quand même. Putain, en plus il est pas. Et je l'ai pas touché, bordel de merde.
Jeune et ton fusil de précision. Bim. Vengeance de loup arctique. Ça m'énerve sur le principe. Voilà. Montrer qui c'est le chef. Hop. Pas une vengeance, c'est lui qui m'a attaqué au départ. Je te ferai lire. Des visiteurs. C'est qui c'est? Lycium. On va voir ce qu'ils ont à proposer, ces fameux visiteurs. Ok. Allez, moins 20. Quand t'auras fini, tu vas me réparer ça et ça. Moins 4. Bon, j'arrive à gérer. Herbe médicinale. Putain, j'en ai plus que deux. Quel drame. Ah non, c'est peut-être celles qui sont à portée, mais je dois en avoir plus que ça. Ben non, c'est pas. Masque à gaz, t'as vraiment rien d'intéressant, Coco. Hein. Par contre, est-ce que tu me prendrais pas mes petites merdes là? Tout ce qui est horrible. Non. Tout ce qui est médiocre. Voilà, j'ai plein de trucs médiocres à trophy. Histoire de vider. Hop. Et en normal, tu me prends quoi? Hop. 153. Hop. Allez. Thank you, boy. Bien. Alors ensuite, il y a une autre façon de gérer la pollution, c'est de la retransformer. Je vais le faire d'ailleurs, parce que comme c'est vraiment moche, en fait, c'est du. Tu peux retransformer la pollution en déchets. Je vais faire ça. En faire deux. Il me faut des câbles électriques du coup. Parce qu'on n'est pas des pollueurs. C'était pas l'objectif. Les araignées, ouais, mais ça viendra. Il y aura de la place tôt ou tard. Croquettes, c'est détérioré. Ouais, ils ont tellement de bouffe. On va diminuer la priorité. Pas la peine d'en faire. Il les consomme pas. Allez, bon, ces pièces sont fermées. Presque, non, je n'ai pas encore du coup terminé cette porte à la con là. Est-ce que je me suis fait du courant? Ben non, parce que. Alors si je peux en faire là. Tac. Tac. Du coup, je peux me faire ensuite des lumières. Mobilier. Tac. Tac. Tac.
Bien, et c'est fermé. Il me reste à faire du carrelage en calcaire. Carrelage en calcaire. Tac. Ben non, du coup, il y a besoin. Oh là, ah, un siège. Non, pas un siège. Attends, moi, je vais pas faire du calcaire ici. Je vais faire de l'ardoise. Histoire que ça reste dans les mêmes coloris. Alors, les sièges, c'est très chiant. C'est très chiant. Surtout comme t'as. Où est-ce qu'ils vont s'installer? Putain, c'est à Perpète les oies, bordel. J'ai de la pollution ici, moi. Bon, on va sauvegarder parce que. Si vous avez suivi mon let's play sur les techno women, c'est parfois un peu la merde les sièges. C'est pas géré comme il faut et c'est souvent pas géré comme il faut. Ouais, il est quand même bien armé. Et en fait, on peut pas trop les laisser s'installer. Sir Madness. Qu'est-ce qui se déplace comme une tortue? DB Games, Sir Madness et Katox restent à la maison. Hop, c'est dommage parce que DB Games, c'est un bon combattant. Allez. Et ben c'est parti. C'est les cochons qui vont être contents. Alors, où est-ce qu'il va s'installer? Où est-ce qu'il va s'installer? Tac-tac-tac. On va laisser tous les composants arriver avant de tirer. Je ne veux pas que tu leur tires dessus, s'il te plaît, monsieur. Monsieur les gens, on ne tire pas. Toi, les tirs. Voilà. Les navettes sont autorisées. Tiens, je les mets là. Les navettes sont en cours. Donc. Alors, on va se planquer, on va se planquer, on va se planquer où ça? On va se planquer. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où me planter. Planquer, forcément. J'ai enlevé tous les cailloux. Alors, en fait, celui qui va me sauver ici. Encore dans ce coin, ouais. Ça pourrait être une idée, t'as raison. Hop. Je vais peut-être pas être assez proche. Alors, ceux qui tirent d'un peu loin. Tac, tac. Always, tu vas là. Et Lycium, tu vas là. Ensuite, ceux qui tirent d'un peu plus près. Hop. Ceux qui tirent de beaucoup plus près. Ça arrive d'être presque un peu trop loin. Tac. L'éternel, il est fragile. C'est un garçon fragile. Et puis, bah, vous trois, hop, par là. Pour commencer. Ah, il faut que ça tire. Non, merde, je suis trop loin. Il est encore trop loin. Ah, tac. 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 Ah, j'aime pas qu'il y ait un soit aussi exposé.
T'es où? T'y es presque en fait. Hop, Lysium, tu t'avances là. Rossignol, tu t'approches, mais pas trop non plus. Voilà. Allez. Le pool est fait. Allez, jump sur les hop. Sur les grenadiers là. Oh putain, il y en a plein. Chut. Hop. Tom. Non, Onyx trop, tu vas sur lui. Tu portes quoi? Tom sur lui. Bim. Alors, ça va faire boum. On s'écarte. C'est pas qui, il a pris cher déjà. Shadow, bouge de là. Bouge de là, j'ai dit. C'est pas qui, non. Mais... Oh. Alors, Ken tombe, c'est bon. Tu dois faire un jump sur lui. Henriette sur lui. Putain, mais il en a combien des mecs avec des... Hop, bouge là. Merde, Lysium est trop loin, il peut pas tirer. John aussi, fais chier. Toi tu peux tirer, donc tu vas continuer. Linette, pourquoi tu tires pas? Ah putain, t'as un point autorisé le tir. Bim. Spikey, ça va aller. Putain, là, il y en a un qui est bien, bien défendu. Ça continue de péter. Hop, ça c'est fait. Allez, encore un jump ici. Toi, tu vas... Elle lui péter les dents aussi. Un colon a besoin de soins. Rossignol, merde. Ouh, bleeding out dans 3 heures. Ça, c'est pas bon du tout, là. Faut faire une mission de sauvetage. Henriette. Putain, il veut pas. Canton, tu vas me sauver. Hop. Hop, 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 Onyx trop. Tu vas secourir. Tu peux me faire soigner sans médoc là. Putain, ils veulent pas fuir, hein. Bordel. Pourquoi t'arrêtes de combattre toi? Ou bling out dans 5 heures, ouais. Ok, 8 heures. 22 heures, ça va. De conditions, ça va, 18 h, ça va. Putain, il en reste combien quoi? 4, 5, allez, il faut le terminer là. Hop, on s'avance. Toi, c'est bon, tu tires encore. Spikey. Ouais, ta femme va encore avoir du boulot, c'est clair. Tac. John, tu peux tirer encore, oui. Always aussi, Lysium aussi. Éternel. Éternel le douillet. Ça y est. Ouh. Bordel. Oui, Henriette fuit le feu.
Allez, pour l'instant, on n'a perdu personne. Tous les blessés vont rentrer à la maison. Et il y en a un paquet. 8 heures. Putain la vache. Bon, l'avantage, c'est que ça te fait récupérer plein, plein, plein de matos. Un siège. Est-ce que tu vas arriver à 6 heures? Bon, ça va aller. Canton. Hop, secourir au signal. Voilà, franchement, si j'arrive à n'avoir qu'un seul. Qu'un seul par terre avec tout ça, franchement, je m'en tire pas trop mal. Là, c'est bon. Hop. Les cadavres, ils iront me chercher après. Là, par contre, j'ai personne à recruter. Hein. C'est con parce que toi, tu avais une bonne armure, une armure de commando là. Caisse de commando. J'ai pas de psychopathe, je crois pas. Il me semble pas que j'ai des psychopathes dans ma baraque. Si. Onyxtro, ah, ah, ah. Onyxtro, tu m'intéresses. Quand tu auras fini de bouffer, tu vas le dessaper. On va s'assurer que. Hop. Attends, vous ne voudriez pas m'éteindre le feu ici, là. Un extro, forcé porter armure. Et forcé porter casque. Hop, voilà. C'est bien les psychopathes. J'en ai pas d'autres. Pour vérification. Donc, attends, j'ai été un extro. Aimable cogneuse. Travailleur. Travailleur robuste. Perspicace, magicien de lampe. Noctambule, usager de petite armure. Hop. Psychopathe. Ouais. Non, j'ai que un extro. Mais c'est déjà pas mal. Et puis ton petit, tu veux aussi porter son gilet pare-balles. Hein. Ah non, c'est que tu veux pas. Tu peux pas porter le gilet pare-balles et l'armure commando. Ouais, transporteur de cadavres. Je sais pas si ça, tu peux pas. Tu peux pas le forcer quelqu'un. Si, oh, tu me diras. Hop. Tom qui a besoin d'aide. Tu veux te reposer, toi? Non, tu veux pas te reposer? Bah, t'as 86% de sommeil. C'est vrai que je pourrais lui faire. Ah merde, d'où ils sont? Ah bah tiens. Always. Va secourir Tom. 4 heures. Ouf. Pas bon. Pas bon, pas bon. Tu vas me secourir sans médoc. Aussi. Donc, est-ce que ça, je peux faire? En excluant les. Ah! Indeed. Ok. Alors pour l'instant, je vais pas l'autoriser, je le ferai tout à l'heure. Quand ils auront viré tout le reste, ce sera plus simple. Indeed.
Quel talent ça. Allez. Voilà. Ok. Catox, tac. Ouais, va soigner le monde. Là. 3 heures. Ouf. J'ai pas assez de. Pas assez de plumard, quoi. Quelles conditions? 23 h, 10 h, 4 h, c'est Rossignol qui est le plus dans le mal. Et ben voilà. Normalement, je sauve tout le monde. Tom est retombé. John va secourir Tom. C'est bon, Rossignol, ouais, c'est bon. Ah, j'y pense pas en plus, c'est vrai que les vampires, ils ont coagulé. J'y pense jamais à ça. Ça permet de tout guérir d'un coup. Enfin, tout ce qui est perte de sang. C'est très pratique. Tom, on l'a. Non, Tom, il n'y a personne qui la soigne, hein, c'est normal. Tu soignes Henriette. Va soigner Tom, pas. Bah. Hop. Henriette, elle se soigne toute seule. C'est beau d'être un vampire. Et Damned qui apprend la médecine, comme les grands. C'est bien. Et une petite infection sur Nyxtro. Of course. Y a Bledo. Putain, il y en a qui recherchent pendant ce temps, quoi. Je te jure. Te jure. Allez, on enchaîne sur les processeurs. Tiens, c'est vrai que j'avais fait les armes de précision. Hop, je pourrais faire maintenant des fusils d'assaut. Hop. Hop, hop, hop. Tout travailleur. Non, un seul travailleur éternel. Les médicaments sont rares. Bah ouais, tu m'étonnes. Parce que mine de rien, c'est un peu chaud ces derniers temps. Il fallait aussi que j'aille chercher. Attends, mais je les ai pas les médicaux? Mais si, je les ai les médicalisés. Ah oui, j'en ai fait deux, c'est vrai. Hop. Il faut 120 d'acier. Faut toujours que je vienne. Ça va, j'en ai un peu d'acier. Bon, eh ben, je vais arrêter cet épisode de VOD ici. On va dire, on va faire plein de bisous à nos amis de YouTube. Et on va se retrouver tout de suite après pour un nouvel épisode plein d'aventures dans tous les sens. Allez, bisous, bisous tout le monde.